se plaint de ça, ce n'est pas normal. C'est une interrogation ou mieux une indignation qui a toute sa place au regard de la situation qui prévaut. Il s'agit de la décharge d'ordures érigée en plein Yaoundé au quartier Nsam dans le 3e arrondissement en face du nouveau lycée technique bilingue de Nsam et Fulane à quelques mètres du marché éponyme. L'initiative est d'une société en charge du ramassage des ordures dans la cité capitale. La proximité du site en question d'avec les habitations suscite moult interrogations et des inquiétudes sur le plan sanitaire. Nous sommes dans un milieu hyper contagieux. Dans un contexte de contagion, le portage est le principal moyen de contamination des individus. Un danger perspectible et permanent qui s'amplifie à travers le lit de la rivière Mfundi située à quelques mètres de là. La mouche qui quitte ici ne te retrouve pas à Minkan. Ah bon, il y a de l'eau ici en bas. Oui, il y a de l'eau ici en bas. De quoi penser à des maladies spécifiques. Quelques maladies entrent dans ce qu'on appelle les maladies périphériques, que ce soit le choléra, que ce soit la typhoïde, que ce soit les entérites, ce qu'on appelle les amibes, ou encore les maladies comme les gastro-entérites. On vomit et on fait la diarrhée. Dans un mécanisme bien défini. Ces organismes sont associés à des mouches et des insectes qui transportent et les germes et les détritus et les résidus alimentaires vers notre domicile et vers nos marchés. De quoi espérer une prise de décision adéquate par les autorités compétentes en vue de la délocalisation en urgence de cette décharge d'ordures qui pollue l'environnement, dégrade la beauté de la ville et laisse les populations riveraines à la merci des maladies.